Hey les gens, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec Carias de Bolgi. Et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur comment télécharger des jeux payants gratuitement sur Android. Donc je vais essayer de bien expliquer ce tuto de A à Z. Donc on commence. Le jeu que je voudrais télécharger c'est Need for Speed. Donc il coûte 50 cents et je voudrais le télécharger gratuitement. Pour le télécharger gratuitement, il faudra juste vous diriger sur Google Chrome, aller dans la barre de recherche et taper needforspeed.apk. Donc je vous laisse regarder needforspeed.apk. Vous cliquez dessus, vous allez descendre, vous allez prendre le premier lien. Vous pouvez chercher dans tous les liens, mais vous allez prendre le premier lien. Vous allez descendre, vous voyez que c'est les mêmes images et tout. Vous allez descendre. Ici, il y aura une petite icône télécharger. Vous allez cliquer sur télécharger. Android est le plus élevé, version 1.0.50. Vous allez cliquer sur télécharger. Moi, le mien, il est déjà téléchargé. Vous, normalement, il va se télécharger. Ici, votre jeu va se télécharger. Ici, vous devrez attendre, puis vous devrez cliquer dessus. Ou vous devrez quitter, aller dans téléchargement, puis cliquer sur Need for Speed, et puis mettre Need for Speed, vous mettez suivant. Installer. Je vais juste attendre que l'installation se termine. Voilà, quand l'application est installée, vous allez juste cliquer sur le bouton ouvrir et l'application va se lancer gratuitement. Ce jeu nécessite 2055 mémos, mais vous ne disposez que de 0 mémo sur votre appareil. Il faut faire de l'espace pour commencer légèrement. Donc là, quitter parce que je n'ai pas besoin de ce jeu. Donc ça marche avec tous les jeux, je peux même vous le montrer maintenant. On va refaire, on va écrire jeu payant. Par exemple, on va prendre Rayman Jungle Run, cette application là. Vous allez aller sur Google Chrome, dans la barre de recherche, Rayman Jungle Run APK. Premier lien, coûte 2,99€. Ici, c'est encore la même application. Descendez, cliquez sur télécharger. Donc là, le jeu ne s'installe pas parce que je n'ai plus assez d'espace sur mon Android. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et je vous dis à la prochaine. Bye!